Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur Seven Test, sur Substance, pardon, en compagnie de Tatastrophe. Coucou Tata. Coucou tout le monde. Là, du coup, on est en train de voir pour chez les barbelles. F3. Oui, F3. Bon, non mais oh. Oui, tu as l'habitude. Mon câlin. On joue une fois. Moi, je veux mon câlin. Alors, il nous faut 3 cordes et. Ah oui, c'est vrai, c'est Tchernobyl là. Feuille d'alliage, ok. On a encore une. C'est Tchernobyl. Ça, normalement. Mais c'est très Tchernobyl. C'est pas grave. Ah, c'était pas ça. Hop, on prend tout et on va y arriver. Voilà, là-dedans. Faut le temps que ça remette dans le jeu. On joue pas souvent. Donc il en faut 2, donc il en faut 4. Vu qu'on est 2. Voilà, on aura les plaques. Du coup, là, il faut 6 cordes. Donc les cordes. On va voir. On a assez de tendons, ça va. Mais on en a plus beaucoup du coup. Donc là, c'est en train de se faire. On va ranger tout ça. Voilà, toi. Le tissu ici. On a 29 tissus. On a plus de plumes, donc il nous faut des plumes. Donc des poules. On n'a pas le choix. Bah, je suis sorti voir si je voulais des poules. Ok. Les plaques. Et du coup, bah, on aura ce qu'il faut pour en faire au moins un. Donc, c'est bien. On va enlever ça. Pas tout. 802. Ah, il y en a une. Je vais consciencieusement foutre la trouille. Ah oui, mais on veut peut-être les. On a la. Le truc à élevage. Mais ouais, on en a déjà une dedans. Bon, j'ai tué une. Ah oui, ok. Ah oui, mais c'est normal la fonda qui traîne là. C'est qu'on est en train de fermer tout ça, donc forcément. Oh bah ben c'est tiens. Ah d'ailleurs, c'est à l'intérieur qu'on peut voir la poupoule. Ah non, il n'y en a pas dedans. Et ouais, on n'a pas eu le temps. Mais on peut en mettre 2. Ah oui, on a déjà fait un emplacement pour une poule en plus et pour le bac. Donc on a ça à faire également, déplacement libre et l'emplacement supplémentaire. Ok, on n'a pas la masse de toute façon, donc on peut rien faire. Donc on verra ça. En rentrant. J'ai une poule dans ma poche. Ok, nickel. J'ai un filet pare-balles dans ma poche que je vais te donner parce que t'en as besoin peut-être un peu plus que moi. Parce que sur le jeu là, tu me diras, on en a besoin tous les deux. La vue d'avion, enfin vue de la maison, j'avais vu un loup. Okay. Dans les préparations pour la grotte. Ok, on a les bouteilles. Donc on a la tenue, les bouteilles, une pioche de rab. C'est juste des structures qu'on va avoir besoin pour faire un petit abri là-bas. On va pouvoir mettre un coffre et puis on sera bien. Autrement dit, ça sera bientôt la grotte. Mmh. Alors, Tata, elle est partie de quel côté? Tata, regarde. Là. Ouais. J'ai fait le tour de la base. Ah bah tiens, je t'emmène ton casque. Oh, une lock crate, je parie que c'est une lock crate. Ouais. Elle est bien noire. Ah, oh, pute vierge, je me casse. C'est un cadeau. Ah bah allez, voilà. Bon bah du coup moi je vais partir par là-bas. Oh j'ai une belle doudou. Regarde comme je suis stylé Flo. Je suis déjà parti moi, pas le temps. Ouais, bientôt j'aurai le même. Il y a une caisse, elle est pour moi. La caisse devant là, tu la veux? Oui, je la veux, je rentre à la maison. Dans bah, il y a un putain de connard de moustique qui est en train de profiter pour me manger sournoisement le mollet. Il y en a une autre. Et ça, c'est dans la vraie vie. Bah, va chercher les autres. Okay. Moi, j'ai ramassé celle qui est autour de la maison, les 5. Je retourne porter ma poule avant qu'elle crève. Les balles, tu te font apprendre. Un minerai, je le veux. Oui. Ouh, d'ailleurs, la pioche, elle est quasiment morte. Oh, cool. Oh, on verra pour en refaire. Voilà, on a une petite poule dans notre maison. Nickel. Non, c'est plein. Ah oui, tout va bien. La pioche, il va me falloir du bois, de la ferraille. Ok. Regarde où on en est dans la masse, autant que t'es. Ah ouais, je suis pas à la maison. Ah, j'ai juste posé la poule, c'est tout. Ok. Tant pis. Je suis reparti aussi sec. Très bien. On aurait pu faire une amélio, ça aurait été bien. Donc, mes 4 planches, et maintenant, de la ferraille et des poules. Des poules là-bas? Oui. J'arrive, poupoule. Ne va pas vers Nounours, s'il te plaît. Oh, Minou. Calme-toi, Nounours.
Entre la poule et une nounours dans le jeu et puis ma chatte devant moi, là tout va bien. C'est ça d'avoir des chats. Hop, j'ai une poupoule. Tu vas à côté de chez nous, donc je la ramène. Voilà, comme ça on a déjà les deux. Ouais. Moi j'en ai une crevée dans mon sac. Désolé petit lapin, t'as allé dans le piège, bah désolé, t'iras pas. Hop, poule. Viens là, nickel. La masse, on peut faire pour avoir la troisième poule, mais je sais pas si on a les composants pour. Ferraille, lingot et adhésif. On va aller voir ça. Et merde, entre un loulou et les... Bon, je laisse tomber. Adhésif. Plus des... Mais le lingot, on n'a pas. Plus des rogues, ça fait trop. Ok. Ouais, ça. On te le sacoche. Le lingot. On va pouvoir amener une troisième poule. Les minerais. Donc je suis là. C'est là-haut. Allez, on n'a pas été voir. Ça va, ça fond encore. Nickel. On va prendre deux planches là. Je vais prendre un peu de ferraille. Je sais plus c'est combien, donc j'en prends un peu plus. De toute façon, j'en ramasserai d'autres. J'ai pas pris de lingot. Non, j'ai pas pris de lingot, évidemment. Ah, c'est 4 adhésifs. Et du coup, il manque un peu de masse. Mais bon, le temps remonter là-haut, prendre les 3 adhésifs manquants, la masse elle va arriver. Adhésif, adhésif. Ah bah il y en a pas d'autres. Oh c'est nul. Il leur faut donc adhésif, il faut 4 trucs comme ça. Oula, le biocarburant par contre. Pas chouette. Il faut de la cendre. Ok, on aura ce qu'il faut en cendre. On va ranger les bouteilles tant qu'on y est. Voilà. Faut tuer des loups. Ouais, entre autres. La flotte là, le temps qu'on y est. Et les cornes d'animaux, ici. Voilà, l'adhésif, on va voir ce qu'il faut. Donc je peux ranger les cornes d'animaux. La cendre, on va la remettre dans le feu pour le moment. C'est bien. Bon, ça se fait sur nous. La masse, on en a 31, donc c'est bien. Trop d'adhésifs maintenant, je repose. Voilà. Et on va aller améliorer ça. Comme ça, on aura 3 poules. On peut mettre des lapins, mais on n'en veut pas. Du coup, l'habitat pour animaux, si on l'appelle le poulailler, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vu qu'il sert que pour les poules, on l'appelle souvent le poulailler. Là, il y a eu une bestiole dans le piège. Salut, petit lapin. Voilà, bah tiens, prends ça. Là, le petit minerai. Ok, la pioche. Ah bah j'avais déjà une pioche de secours, j'avais pas vu en bas. Bon, tata elle est partie où? Que j'aille pas du même côté. Tata elle est partie tuer un loup. Je suis sur la grande plage. Oui j'ai vu. Bon bah niveau poule c'est bien, mais et une poule d'ailleurs encore. Maintenant je peux récupérer le cadavre de ma poule. Ouais. En espérant qu'il n'y ait pas des pop. On peut avoir une poule pour l'abri, puis les autres on peut les tuer. En espérant que je vous... Ah elle est là. Voilà. Récupérer ma poule. J'aimerais bien en trouver. Ouh, nounours. Salut. Un petit quelque chose, s'il vous plaît. Non, pas des chasseurs. Pas un lapin, ça m'intéresse pas. Et un orignal, là, ça te dit? Ouais, je suis pas dans le même coin et non, je suis pas chaud. D'accord. Un nounours là-haut et une caisse en bas. On va prendre la caisse, c'est mieux. Ouais, 3 clous, une planche, la ferraille, une corde, moins un cordage. Ok. Fais le beau, m'emmerde pas. Con, c'est pas de me suivre. Mais bon, tant pis. Faut te contourner. Bon, je vais mettre à la boue 2 secondes, le temps de brancher ma prise anti-moustique, parce que là. Ok. J'ai eu des balles. Vraiment, vraiment, très casse-couille. Une caisse en bois. Je pose le casque 2 secondes. Ah, pas de soucis. Faire bouffer. Eh ouais, dans le sud ou dans le nord, même combat avec les moustiques. De toute façon, on n'a pas ce problème dans le jeu par contre. Il n'y a pas de moustiques. On n'est pas sur Grounded. Garce, pas raté. Hein. Si je l'avais vu, si je la voyais encore attaquer. Indique, c'est vrai. Chaud. Le sud ou le nord, même combat pour les moustiques. Ah putain. Bon, pas rester sur mon rocher sans s'étendre. Je suis au grillage de l'Est. Parti loin. Et moi, grillage du Nord. Là, je me dirige vers le Nord, justement. Bon, faut que tu nous trouves les poules parce que moi, c'est pas le cas.
une caisse ou une sacoche de temps en temps, mais pas terrible. Ouais, j'en ai trois. Ouais, pas terrible non plus. Un lapin, non. Toujours pas. La fibre, bah on va prendre. C'est le seul truc qu'on peut trouver, donc on prend. Il n'y a plus d'endurance. Oh, commence à avoir faim le monsieur. Un loup. Ok. Et hop, une poule dans la poche. Ah, mais c'est moi qui vois rien ou il y a vraiment rien? C'est fou ça. On ira bien par trouver un petit quelque chose. Triste journée pour le loot. Moi j'ai eu un peu de loot, on voit rien de transcendant. Quoi, une ferraille. Enfin un truc. C'est le pain, on s'en fout. Les chasseurs, ça, non. J'en ai déjà fait un sac de loot, ça suffit. On va éviter de se battre aujourd'hui. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas été sur le jeu, donc je le sens pas. Mes réflexes doivent être quelque peu émoussés. Ouais, donc c'est pas le jeu principal, quoi. On est principalement sur Seven Days to Die, beaucoup sur Valheim, donc forcément. Il faut qu'on avance. Voilà, on y retourne. Oh, par contre, l'herbe, il faut que je la prenne. On en a besoin. Ça peut toujours faire du biocarburant. Mmh. Et on met ça dans les pièges. Le loup. Ouais. Toi non plus, j'ai pas envie de me battre. Non, tranquille. Je te laisse, je passe. Le soleil est bien bas dans le ciel. C'est pour ça que je suis revenu à la maison. Ouais. Là, on a la forteresse en construction. Salut les copains, vous en êtes où? Oh bah. C'est pas fini, ça en est pas loin ça. Du coup la forteresse, elle est. Ok. Vers Hortastic. Au nord-est de Hortastic. Voilà, coup... encore une locrate, décidément. Ah, attention. Ah, moi du coup c'est là que je vais aller, Hortastic. Une à l'est du jeu de la maison, une à l'ouest. Ouais ben. Mais après il y a peut-être des pop, la première. Oui. C'est quoi du fer? Oui. Vu qu'on trouve rien, autant prendre des minerais. Histoire de pas rentrer les poches vides. Le ventre est vide, les poches aussi. Donc c'est un peu chiant. Ouais, du moins les poches à moitié vides. Vraiment pas terrible. Mais bon, on va y arriver. Pas aujourd'hui du coup, vu qu'il va faire nuit. Mais demain, ça devrait être mieux. Moi j'espère. Voilà. On aura quand même fait une amélio. Un gilet barbelle. On pourra certainement faire le deuxième après. Ouais, c'est tissu rembourré, donc deux plumes qui manquaient. Ben c'est bon, je le sais. Voilà. Je ramène quelques poules. Ah, une poupoule, une poupoule. Vas-y, va vers chez nous, poupoule. T'es où? T'es là. Ça arrive. T'as encore une poule vivante sur toi ou pas? Oui. Okay, je vais être là. Je vais la mettre tout de suite, je peux passer. Et de une. La dernière que j'ai chopée. Ouais, ben je course une deuxième poule. Voilà, elle est dans la. Ah, il y a déjà du 28. Nous avons nos trois poules. Allez, poule, j'ai plus beaucoup de stam, arrête-toi. J'ai plus de stam. Connasse. Oh! J'étais peut-être un peu vite. Oups. L'habitude sur ce jeu. C'est quoi cette chose? Ah, tant pis pour Poupoule. C'est où chez nous? Là-bas. Ah, une écrevisse. Je me disais ce que c'était cette chose. Ah. On vise et on tire. Et je l'ai. Elle est morte. On va y arriver. On voit notre chez nous. Donc ça va. Même s'il n'y a pas d'endurance, c'est pas grave. On y va tranquille. T'as regardé, il y avait combien de PV sur le piège ou pas?
Ah non. Ok. Bah du coup le lapin, je peux te découper, les poupoules, je peux vous découper aussi. Voilà. Nickel. Donc il va falloir que je fasse un tissu. Donc je serai rentré. Trois cotons. Un tissu. Pour faire le tissu en bois. Oh. D'accord. Une caisse en bas de chez nous. Très bien. Oh, il était pas tout à l'heure, hein. Elle vient de débarquer. Ça m'arrange, comme ça je peux remplir un peu les poches. Bah, la hache qui pète, la pioche qui pète. Super. Mais on a ce qu'il faut derrière. Ah, on rentre par le jardin. Le jardin. Ah bah tiens, le coton. Voilà. Donc juste un morceau de tissu, puis ça sera bien. Ok, ok. Carotte, carotte, trois carottes de prêt. Oula, le jus. Oh putain, vierge. Celle-là et celle-là. Ok. Là-dedans, il y aura bientôt des tomates. Et là, il y a encore une carotte. Très bien. Et en graines, alors. Graines de tomates. Là, je vais extraire les deux graines. On va replanter les tomates ici. La base full tomate. Là, on fout. Et là-dedans, c'est pour mettre tout ce qui est patate. Conneries, donc ça, ça. J'arrête un peu le raffinage parce que. Ok. Que le jus remonte, on est des graines à 300. Hein. Ouais, je mets une graine de plante, du coup, quand même. Oui, moi j'avais une graine de d'oignon. Il y a une graine de tomate là qui est là. Ouais, bah j'ai tout replanté, t'inquiète. Okay. Faut, ouais, qu'on mette une graine de plante de temps en temps, ça fera tourner un peu d'herbe. Le castor-ci, ça devient compliqué. Ouais, parce que là, le biofuel, il en reste 12. Bon, c'est pas les quelques bouts de grappes que j'ai mis dans le feu qui vont changer grand chose. Ouais. Ok. Ok, on va manger ça. On va manger les crevisses avec. Ça. Bah, j'ai tout mangé, il va falloir faire cuire. Trois loups, je crois. Là, monsieur, il avait faim. Ah oui, t'as vraiment tout bouffé. Ouais. Donc j'ai un peu de tout, tout le monde fait faim. Pourquoi j'ai une intoxication? Je sais pas. Mais bon, on va prendre un remède. Il fallait pas. Voilà. Ouais, peut-être. Tant pis. Là, en haut, les minerais. On récupère. Tac 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 tac. Ça c'est bien. Ok. 61, ouais. Bon, on fera du fer. Il y en a beaucoup. Du fer, il y en a toujours besoin. Donc là maintenant il me faut un tissu pour faire le tissu rembourré. Ça c'est cuit. On remet dans le frigo, voilà. Et du coup le coton. Ah bah. Le coton, non, c'est bon. Du coup là-dedans. Ok, ça. Et ça. Voilà, moi aussi j'ai un gilet barbelle. Quand même mieux. Là-dedans, il n'y a plus rien à mettre. Là, tu le mets sur ton dos, Franck, ouais. Ouais. Attends, il est en train de se crafter, voyons. Ah, pardon. Chaque chose en son temps, madame. C'était 7, 14, 21, 28. Ça, il en faut 5. C'est bien, on revient avec quelques trucs. Le gilet barbelle. Voilà. Ça, ranger là-dedans. C'est un biocarburant, c'est toujours bon à prendre. Oh, putain, j'ai mangé un. C'était un parent du malade. Sur le bonheur. Biocarburant, tu vas en faire. Manifestement, j'ai mangé un foie cru et ça m'a pas rendu malade. Ah. Il comme était ça. Bien frais. Si. T'as eu de la chance. Ouais. Je suis parti avec 5, je rentre dans le frigo avec 15. Ah oui. Et je vois que ma barre est pleine alors que je ne pouvais pas manger parce qu'elle n'était pas pleine. Enfin, c'était un petit trou. Voilà. Ouais, bon. Et j'ai mis ce clic. Ah, un chasseur. En vrai, les minerais, on est tellement bien. Oui. Donc là, tout va bien. Là-dedans. Un pêche. Ouais. Il est où?
Il nous faudrait quelques gros poissons pour avoir du gras. Ouais, aussi. Ça donne du gras, il me semble, les saumons. Non, oh, je sais plus. Non, c'est que lui. Je suis sa ligne, mais lui, je le vois pas. C'est tellement sombre. C'est foutu. Donc, on a laissé les barbales, on a toutes les poules, il manque une amélioration pour les poules, mais on n'a pas assez de carburant. De masse. On a 72. Ouais, il en faut 80. Alors, il nous faut deux adhésifs, deux lingots de métal et deux tissus rembourrés. Tissus rembourrés, ça va devenir compliqué. Mais c'est le jus qu'on n'a pas en plus. Il y a largement assez pour la mélio, mais là il faut utiliser de la masse pour les lingots. Mm-hmm. De toute façon, donc ça attendra, on peut préparer, puis la prochaine fois on pourra installer ça. Ça sera bien. Ah, c'est vrai que quand on aura des poules à 10, là ça rapporte du gras, c'est cool quoi. Ouais. Maintenant faut juste attendre que ça arrive, s'en occuper et on sera bien quoi. Pour la mélio, on aura des plumes, on aura tout ce qu'il faut. Tissu rembourré, donc on a dit coton. Et coton, du coup, il en restera un. Voilà. Comme ça. Donc, tissu rembourré, toujours des plumes, donc 4 plumes. Donc, il nous reste 9 plumes. Le problème, c'est que. 5 plumes. Parce que c'est la merde, comme souvent. Voilà, bandage, j'en ai 5, c'est pas beaucoup de flèches, donc faut que tu reprennes quand même des plumes. C'est pas le choix. Mais moi ça va, il me reste une vingtaine. Ah oui. Ouais, 9 ça. Ouais, moi j'en ai que 7. Ouais, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, ce sera 11. 12, 13, 14, 15, voilà, bon, il restera une plume. Pas énorme, mais c'est mieux que rien du tout. Ah, bâton. Ok, bah attendez, on va refaire. Voilà. Après les flèches. Donc, flèche là. Tac. Il me faut des bâtons et puis on sera bien. Allez. Voilà. Du coup, jardin, il a été fait ou pas? Bah non, tu t'en es occupé toi. Je vais te replanter. Ah bah juste. Allez. Je remets l'engrais du coup. Il pleut, donc il n'y a pas besoin de remplir l'eau entièrement, mais il en faut quand même. Et là, on met pas d'engrais, donc c'est bon. Dans la première, là, hop. La gourde, ça suffira largement. On va reprendre quelques gourdes pour là-haut, et puis on sera bien. Là, on en prend 4, on verra bien ce que ça fait. Tu peux ranger les lingots? Ils doivent être prêts. 4, ouais, c'est bien. Voilà. Bon, on aura de l'eau à récupérer, mais ça, voilà. C'est quotidien. Je vais mettre les tissus. Embourré là. Toujours avec nous, Tata, ou t'as perdu? Non, je suis toujours là. Ok. Bon, je vais chercher l'eau, puis on pourra s'arrêter. C'est ce que je suis en train de faire, donne-moi les bouteilles. Ok, bah j'en ai plus. C'est bon, je crois qu'il y a tout. Bah, nous, il va falloir qu'on pêche, de toute façon, donc ça, on va vous l'épargner, on fera ça en hors-cam. Ça sert à rien de faire ça avec vous, c'est long, c'est fastidieux. On n'a pas beaucoup de pêche, mais on va en refaire, c'est pas grave. Et voilà, il va falloir faire une bonne session pêche. Pour le loot, bah tant pis, ça attendra, le loot. Ouais. Pas trop à plaindre, de toute façon à part des poules on a besoin de rien d'autre. Donc, on a besoin de loup. Ouais. On va avoir du gras. Ouais, bah le gras on en aura avec la pêche. Moi j'espère. Non, avec la pêche on a l'huile. Oui, exact. C'est toi qui m'as parlé de gras juste avant. Parce qu'il me semblait que les saumons. Je vous disais que les... il me semblait que les saumons ils donnaient du gras aussi. Ok. Mais je suis pas sûr. Je sais plus. J'ai vu trop longtemps. Ouais. Beaucoup trop longtemps. Bon, j'ai pris ma canne à pêche, j'ai pris les lignes de pêche, je suis en train d'en faire. Ouais, vas-y, toi fais-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y aura 19 lignes de pêche, donc je peux t'en donner du coup.
Hop. Je t'en donnerai 9 que je vais mettre dans le coffre avec ta canne à pêche. Voilà. Du coup, nous, on pourra aller pêcher tranquille. Alors, évidemment, si on trouve des poules ou qu'on tue des animaux, bah, c'est pareil, c'est pas trop important. Donc, on va se faire bah, une journée entière hors cam. Et nous, bah, on se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo, justement. Sur ce, salut! Ciao, ciao!